J'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super bien. Donc aujourd'hui on se retrouve sur GTA 5 Online, donc pour la deuxième vidéo de la série Les endroits les plus what the fuck de GTA 5 Online. Donc on commence avec cette deuxième vidéo. Donc avant de commencer la vidéo, excusez-moi, je tenais à vous remercier pour ces bientôt 100 abonnés. Et voilà. Donc vous devrez vous rendre au même endroit que moi. Voilà, toujours au même endroit que tout à l'heure, hein. Donc c'était pareil que les toilettes. Voilà. Donc moi je prends ma moto pour monter parce que j'ai vraiment la flemme. J'ai mal aux jambes, mal aux jambes, mal aux jambes. Non, je déconne les gars. Voilà, donc avant de commencer avant de rentrer dans cet endroit secret, je tiens à préciser que il faut avoir plus de 4 millions d'euros sur soi-même pour rentrer. Voilà, en fait, c'est tout simplement pour payer le pass. Sinon, vous ne pourrez pas rentrer. Voilà, parce que c'est réservé au personnel. Hein. Comme on le voit, il y a écrit avec ce petit truc-là pour passer sa carte. Voilà, sauf que nous, on va pas la passer, les gars. Non, c'était une blague. Vous n'avez pas besoin de 4 millions de dollars pour payer. En fait, c'est vraiment de la merde leur truc là. Regardez, il y a un système qui sert vraiment à rien. Tu passes ta carte, normalement c'est réservé au personnel. Normalement, quand tu passes pas ta carte, tu peux pas rentrer. Mais là, hop, coup de magie, bim, je suis dedans. C'est vraiment tout pourri. Voilà, donc je vais vous présenter mon setup gaming GTA 5. Voilà, donc tout ça c'est réservé à Esprod YT. Non, je déconne. C'est vraiment de la merde leur truc. Regardez, il n'y a même personne dans les bureaux. Je sais même pas à quoi ça sert. Voilà, donc là on va. Oula, je vais me noyer. Je vais me noyer. Ah, je vais appeler les pompiers, je vais me noyer. Putain, non. Non, sérieux, les gars, ça sert à quoi cette merde là? Regardez. Alors, un truc vraiment what the fuck, regardez. Je vais commander sur leur ordinateur. Ils s'en battent complètement, mais complètement les couilles. Voilà, je vais acheter. Je vais m'acheter ça, tiens. Tiens, ça c'est bien. Vous avez déjà débloqué ce véhicule. Ok. Qu'est-ce que je vais acheter d'autre alors? Lui là, il est pas mal comme bateau, regardez. Pour faire des petites promenades et tout. Hop, bim! Voilà, j'ai acheté avec leur ordinateur. Mais ils s'en foutent quoi. Ils sont en bas là, regardez, ils sont posés là. Tout à l'heure j'ai vu. Regardez. Ah, on verra pas. On le verra. Ah non, il est pas là. Il est pas là, il y avait un mec là tout à l'heure, je pense qu'il foutait, il était avec son arme quoi, mais ils sont pas complètement les couilles quoi, ils surveillent vraiment rien. Voilà, donc c'est un endroit super what the fuck, on sait même pas ce qu'il y a là-dedans. Là il y a des plannings toi, sauf qu'il y a personne. Il y a personne. Il y a des plannings mais il y a personne. Tu peux commander avec leur ordinateur et tout, mais ils s'en foutent toi, ceux qui payent. Non, je déconne. Voilà. Hop, j'espère que t'as enregistré ton dossier, sinon t'es dans la merde, tu vas devoir refaire tout planning mon pote. Et ouais, c'est comme ça la vie. Et bim. Oh bah donc. Et voilà. Voilà, tu rappelleras. Ah bim. Putain les gars, je vais appeler les pompiers là. J'appelle les pompiers parce que là. Il va y avoir une inondation chez moi là, faut que j'appelle les pompiers. Quelle est la nature de votre urgence? Pompiers, hop. Mais je les appelle là parce que là ça fait inondation dans la maison, tu vois. Oh là là, faut qu'ils viennent réparer. Putain, j'ai tout pété les gars, j'ai tout pété. Non, je déconne. Oula. Fuite de gaz mon pote, fuite de gaz. On va tous crever, c'est sûr que là on va tous crever. Oh là là, on va tous crever là, c'est sûr. Pfff.
Qu'est-ce que ça fait si je mets des bombes collantes là-dessus? Tu crois que ça va péter? Tu crois que ça va péter? Eh ben non! Eh ben non! Ils ont des radiateurs indestructibles, mon pote. Oh, je me suis fait niquer. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu, les gars. En tout cas, moi, je vous dis à la prochaine. Et ciao, tout le monde!